rattrapé, m'a rattrapé, m'a reparti. Ou elle est moi. Faut t'arrêter. C'est en sens, on m'a donné, il y a un sac à caméra.
soit toujours avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous voir. Merci. En ce début de Noël, on est quand même tous les avec les belles lumières. Alors merci d'être là pour pouvoir continuer de faire ici. Merci aux personnes à la maison qui nous ont suivi les amis à travers cette célébration. Merci d'être là pour vous. Aujourd'hui, dans le silence de la nuit, Dieu nous envoie son fils. Tournons-nous vers lui pour la bénir et pour que nos cœurs soient vraiment dignes de lui, devant de lui nos purifiés intérieurs. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé dans le monde pour nous tracer le chemin qui conduit au Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as compris la volonté de ton Père en laissant parmi nous pour fonder une vie nouvelle, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui siège, Père, voir que tu es plus belle et intercède pour nous, prends pitié de nous. Que les yeux d'amour des Pères de la miséricorde infinie pardonne nos péchés et nous conduise à la présence de son Fils et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Thank you.
savez que j'ai parti de la vraie lumière. Nous partions, puisque nous reflétons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, afin de nous aussi de goûter pleinement sa gloire dans le ciel. Lui qui règne avec toi, l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La parole est tombée à la parole de Dieu. Raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, Seigneur.
mot baptême. Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le présent, dans le temps présent, de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de tous nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Dans cette nuit de Noël, l'imagine qui nous fait retrouver notre cœur d'enfant,
Je vous présente le petit conte de Noël qui viendra entrer dans ce grand mystère de l'amour qui se produit aujourd'hui. Alors, ce conte s'intitule L'invité de Noël. Je vous invite à l'écouter attentivement. Cora, de vieux orphelins, qui est seul dans un petit hameau perdu au milieu des Pyrénées. Ses deux enfants, partis pour la Mélite, les Pyrénées, sa femme depuis longtemps, l'avait quitté pour un monde plus seul. La France des cordiales et de qualité, les deux corbades, lui avait été le ciel de tout village. Or, voici les nuits que le Seigneur n'a pas pris ensemble. Corbade, ce soir, Seigneur, je viens chez toi. Le fervent qui le voit, le serpent des cordonniers, nettoie sa beauté, prépare le repas, détruit la première neige et écarte son œuf de chaud bien. Tout est prêt pour accueillir le gilet des étoiles. Voilà qu'au neuf coup de l'horloge, Corbade entend frapper la fenêtre. Il accourt et ouvre la porte. C'est un enfant tout en pleurs qui cherche sa maman. Vitement, le vieux Corbade rassure l'enfant et sort de le reconduire à la maison. Le vieux cordonnier attend toujours avec anxiété l'invité de bas, lorsqu'on frappe de nouveau à la porte. Entre alors une bonne de la maman, toute courbée, sous les ans, et grelottant de froid. L'hospitalité, monsieur, pour l'amour de Dieu. La chambre est prête pour le célèbre visiteur, des prix de coquilles et corbeilles qui l'ont à voir, du bon des choses et quelques galettes. L'horloge égrène encore les heures lorsque, une fois que le corps de corbeille mène le pas de visiteur. Vivement, il ouvre grand la porte, espérant bien cette fois accueillir l'autre divin. C'est un passant affamé, bien coté d'autre et manteau troué sur le dos. Cora, tout ému, lui offre ses propres chaussures et quelques vêtements aussi. Les doux et les coups de minuit depuis longtemps se sont éteints la vie. Déçu et épuisé de l'économie, tombe dans un profond sommeil. Soudain, il sursaute, les yeux éblouis par le miel éclatant qui illumine toute la maison. Une voix appelle le vieux Corade. Corade va donner sa voix, c'est le divin visiteur. Corade, Corade, c'est vous, Seigneur, oui, Corade. Seigneur, pourquoi n'êtes-vous pas venu? J'ai attendu en l'air de la nuit. Pour vous, j'avais prévoyé, déployé, décoré, je suis visité en voix. Mais Corade, le Seigneur, prenez la tête, j'ai tenu parole. À toi aussi, tu m'as béni, l'enfant en pleurs. Avec la grande main de Francis, demandez en famille, c'était moi. Voyez comment ce petit conte sur le visiteur de Noël nous révèle la façon dont Dieu s'est détruit. L'accueil de l'occasion de personnes qui ont faim, qui ont foi, qui ont besoin de plus d'attention, de plus d'amour, c'est lui-même que nous accueillons à travers ces personnes. Ce soir, il s'agit particulièrement dans nos cœurs, dans tous nos cœurs, pour faire ça de même. Quel accueil nous faisons-nous? En Jésus, il se donne totalement à nous pour nous communiquer sa vie. Dieu nous fait cadeau de son aide, de sa présence, de son jour, de son amour. Il fait cadeau de faire à tous les hommes et les femmes et les enfants de la terre. Nous avons qu'à lui ouvrir nos mains et nos cœurs pour accueillir son amour. Cette invité de Noël, nous avons accueilli tout au long de l'année. Alors, nous avons invité le garde dans notre cœur et nous avons mis souvent des petites visites d'amour en plaçant la main sur notre cœur pour le remercier de sa présence. J'ai dit à placer la main sur votre cœur, pour faire un petit peu à Jésus, de remercier de sa présence. Amen. Pour l'Église, après
matin de cette nuit de Noël soit pour elle une occasion de redécouvrir l'amour inouvert qui se manifeste dans la naissance de son fils, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, et nous aussi. Pour les générations, afin que la naissance de Jésus dans la crèche attise leur désir de protéger les enfants exploités et abandonnés, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, et nous aussi. Pour les responsables des centres d'hébergement, afin qu'ils trouvent toujours des personnes qui se consacrent au service des gens qui ont besoin de soutien, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, et Jésus. Pour le personnel médical, afin que l'Esprit de Noël ravive son élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, et Jésus. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à la suite des vertus, ils se mettent en route pour annoncer la présence de l'Emmanuel au cœur du monde, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, et Jésus. Pour chacune de nos intentions personnelles, celles qui habitent notre cœur, et pour toutes les personnes qui comptent sur nos prières, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, et Jésus. Père, toi qui éloignes toujours des cœurs, ne cesse de veiller sur nous et de nous montrer ta fortitude. En cette vie de Noël, nous te prions par ton Fils, mais pour nous, et qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble, nous avons appris le salut de toutes les églises. Alors, je voulais vous inviter à recevoir parallèlement, Seigneur, la parole de janvier dans cette nuit de fête, afin que par son salut des chants, nous soyons contribués à ton Christ, sacrant qui, de la nature, est uni à la tienne, et qui vit à l'aide des siècles et des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le don de ta cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, les Dieu est bon pour ta gloire et notre salut. Pour ta prière, notre action de grâce, tout nous vient de lui. Seigneur, la très sainte, Dieu éternel et Dieu puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous, et nous vient de l'aide, comme le mystère du Père incarné. Maintenant, nous connaissons un lui, Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes emmenés par lui, à aider celui de l'heure et des yeux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits des hommes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans frère nos proclames. Thank you.
passion qui nous sauve, et sa glorieuse résurrection, qui descend l'ascension de la ciel. Alors nous attendons son dernier événement. Nous demandons, Seigneur, en action de grâce, de sacrifier vivant et saint. Regarde et parvenons le berceau de nos églises et d'elle qui révélait ton Fils, selon ta volonté, fait le Père en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et l'Esprit Saint, à genoux, l'Éternel, offrande à ta gloire, pour nous offrir un jour et l'éternité de vie avec tes églises. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, ton époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint-Luc, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier, pour que tu aies la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Père François, notre évêque général, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté des liens de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ta miséricorde, perpétuellement, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et plus grand avant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueillir dans ton royaume, nous espérons être convaincus à toi, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ le Seigneur, partout de nos mondes, toute grâce et tout bien. Thank you.
Seigneur Jésus, je crois que tu es né de chez lui. Tu viens te donner à toi de chez lui. Merci de visiter les personnes à la maison qui ne peuvent venir te recevoir sacramentellement. Visitez dans cette communion spirituelle pour apporter la paix en cœur de toutes ces personnes et dans leur demeure. Heureux les élégiens par le Seigneur, voici le Fils de Dieu, que les âmes ont chanté. Voici la vie des pauvres, que les vertus ont accueillies. Voici la vie de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole que je suis élégé. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Thank you.
Moi, je vais prendre une petite minute, ce sera probablement. Peut-être que je vais prendre une petite heure de bain et une autre à la sortie. Mais avant, je parle de ces lèvres de métier aussi. Fait que celui qu'on a eu le 100% à l'école, on est appelé. Fait qu'on va manger loin. C'est pour de la vie qu'on veut faire sur le pour les vies. Brésil, c'est même pour le gros prix. On va mélanger tout ce que l'autre va faire. Daniel Cadé. Et Caroline Robert. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vie. Puis on vous attend à l'âge du Parlement pour fraterniser ce soutien qui soit demandé. Je vous remercie pour le dernier direct. J'ai voulu de célébrer la naissance de notre directeur ou de l'Union du Seigneur de Dieu. Je veux de parvenir par le chemin de la communion avec lui. Tout ce qui s'est allé pour les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Par son esprit monté, Dieu a suscité les fidèles du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait l'épargner cette lumière sainte. Il s'éloigne de tous les ténèbres des péchés. Il éclaire mon cœur pour que vous sachiez le bien. Amen. On les voit bien? Amen. Il a voulu que l'âme annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur. Il met en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous compte de sa paix et de sa bienveillance qui vous unissent l'unité et du ciel. Amen. Et qu'avec toi le Dieu puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Amen. Alors nous demeurons dans la paix dans le corps de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors merci beaucoup à notre carrière, bien sûr, qui a fait le beau travail. Merci.
voilà, comme on dit, mais pas faire bouger dans mon arbre. Là, on est parti à midi. On est parti à midi.